Salut les copains et bienvenue, c'est Bibix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de ma série de Let's Play sur 7 Days to Die sur le serveur Survitopia. Donc on a commencé une nouvelle partie sur le serveur PVE de Survitopia où nous allons vivre dans un village sur cette partie. Donc c'est très intéressant, très enrichissant pour l'instant. On est qu'au début. Je vais d'ailleurs sur cet épisode aller me balader et aller découvrir un PNJ hein, puisque c'est une des nouveautés de l'Alpha 15, donc on va en profiter. Voilà, bref, je coupe et on se retrouve en jeu. A tout de suite. Allez, voilà, on se retrouve tout juste en jeu pour aller se balader. Et j'ai découvert voilà, ce que c'était le petit point sur la minimap. Tout simplement, ça correspond à la mission qu'on a à effectuer. Donc je vais aller de ce pas voir le petit point. C'est le trader, le vendeur. Bon, on a beaucoup de marche à faire, c'est à quelques kilomètres quand même. Attends, on va quand même aller checker. C'est à 1,8 km, donc normalement une journée on peut se faire largement l'aller-retour. Ce qui me fait un peu peur plus c'est ma vie, j'ai rien pour me soigner et c'est ça qui est compliqué. Je sais pas comment je vais m'en sortir de ce poison. J'ai vraiment des difficultés en ce moment avec OBS, je sais pas à quoi c'est dû et ça commence à m'agacer très sérieusement. Donc je sais pas quoi faire. En fait il plante pendant que je suis en train de filmer. Et c'est pas cool hein, parce que du coup je suis obligé de reprendre. C'est un peu agaçant. Donc oui, ma vie, je suis déjà à 18 points de vie. Je suis loin d'être arrivé. J'ai rien pour me soigner. Là, ça va être un sacré problème. Donc on va essayer de se balader assez rapidement. En espérant trouver de quoi se soigner. Ça serait le top. En plus j'ai ma wellness qui descend aussi à volo, donc ouais c'est vraiment la cata là. Allez, on perd pas espoir, on va y arriver. En tout cas je pense que dès que je vais atteindre les 10 points de vie, il va falloir que je me soigne avec, les plantes là hein. C'est un cercle vicieux puisque du coup je vais me rechoper le poison qui va me enlever de la vie. J'ai pris pourtant 2 painkillers, donc c'est quand même énorme. Mais bon, ça suffit pas pour survivre. 15 points de vie déjà, ça va super vite. Bon bref, je vais couper l'enregistrement puis on se retrouve dès qu'il y a un truc intéressant à regarder, à vous montrer. Allez, à toutes. Alors, un petit POI par ici, donc on va aller voir un peu plus près ce qui s'y passe. Il y a du charbon. Ah non, c'est pas du charbon, c'est du lead. Très bien. Bon, on va pas trop s'y attarder parce que de toute façon, vu le nombre de points de vie que j'ai, c'est pas ça que je recherche. Allez, dis-moi qu'il y a de quoi se soigner là-dedans. Faudrait carrément un medikit avec le peu de vie que j'ai. Allez, on y va. Ça n'a pas été fouillé, c'est génial. Donc il y a de grandes chances que je trouve de quoi me soigner. Enfin, de grandes chances. Tout est relatif. Oh, c'était quoi ça? Electric part. Très bien. C'est un truc qui me paraît, qui me dit rien, mais bon. Ça a l'air important. Allez, 8 points de vie, dites-moi que j'ai quelque chose pour me soigner, un painkiller s'il vous plaît, ça serait parfait. Pas de painkiller, bon bah très bien. On va se faire une cure de snowberry et puis on va essayer de survivre avec ça. Hein. Faut que j'arrive à remonter mes points de vie en attendant de trouver de quoi me soigner. Bon, ça commence vraiment à me plaire ce OBS, je crois que je vais retourner sur... sur action, parce que là c'est vraiment lourd. Faudrait que je le désinstalle, que je le réinstalle. Peut-être que c'est ça la réponse à ma question. Mais là j'ai un peu la flemme, c'est-à-dire ce qui est. Mais il faudrait que je fasse quelque chose, quoi, parce que c'est plus possible. 3 points de vie. Bon, 3 points de vie. On va vraiment pas aller très loin avec 3 points de vie. La mort est imminente. Bon, on va essayer de mourir dans un endroit. Peu caché, pas en plein milieu de la route de préférence. Voilà, par là. Allez, adieu. Voilà, deuxième mort. C'est ballot. Bon, j'ai quelques problèmes avec mon OBS quand même. Hein. C'est un peu chiant qu'il arrête pas de planter. Voilà, deuxième mort. Donc, je savais pas comment m'en sortir de cette mort là. Allez, c'est reparti. Donc, l'idée, ça va être de repartir à la recherche de mes affaires.
Bon, maintenant que j'ai de la nourriture et tout, on devrait plus avoir de difficultés. Chimère. Voilà, donc je vais couper, là, je vais faire ça hors caméra, puis on se retrouve juste après, hein, évidemment. À toute. Hop, hop, hop. Non, mais c'est quoi ce truc de dingue? Regardez par là. Regardez ce que je viens de choper. Le plan de la Chenso. C'est de la tuerie. Reed, scrap. Oh non, Reed. Je viens d'apprendre à fabriquer la Chenso. Non, mais si ça, c'est pas un truc de malade, les gens. Oh, la tronçonneuse. Non, mais là, je vais devenir le roi du pétrole avec ça. Je construis plus du béton, mais bon, c'est pas grave. C'est énorme. Chouette. Bon, je suis presque arrivé à mon sac. Bon, je suis vraiment embêté avec mon OBS. Hein. Ça fait 4 fois que, 12 fois que je le répète, mais là, ouais, c'est vraiment problématique. Ça encore planté, ça encore planté, ça encore planté. Donc je vais finir cet épisode et après bah je vais m'attarder sur OBS. Pourquoi il fonctionne pas? Ça me fout un peu la rage hein, quand même. Hein. Parce que j'ai pas que ça à foutre de jouer jongler avec mon logiciel pour enregistrer. C'est un peu anti-jeu quoi. Ça m'embête. Ça m'embête. Bon, je récupère mon sac et je trace ma route jusqu'au trader là et je vous reprends à ce moment-là. Allez, à toutes. Yo loulou, on se retrouve en jeu, mais là je viens de découvrir un truc. Il y a une espèce de POI qui est juste là. Alors j'ai bien envie de me le tenter, mais on est dans un wasteland. C'est bien le genre de truc qui pue complètement. Alors complètement, complètement, mais c'est un POI quoi. Donc bon. On se le tente? Allez, c'est parti. Bon, déjà faut péter la grille. Je sais pas ce que c'est comme POI. Ah, ça a l'air d'être un resto, je crois, un truc comme ça. On peut pas sauter par-dessus un trou comme ça. C'est long, c'est lent. En plus, il est déjà 14h. Ce que je vais faire aussi, avant de faire quoi que ce soit d'ailleurs, je vais venir péter le bas de l'échelle. Parce que c'est un coin intéressant pour se mettre à l'abri si jamais je vois que je peux pas rentrer chez moi parce qu'il est déjà 14h. Le temps passe très très vite. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire quoi que ce soit. Enfin, de faire l'aller-retour, en tout cas. Allez, repair-moi ça. Oh, j'ai un bouquin, là. Vide. Le serveur commence à être un peu full, donc il y a pas mal de monde, donc ça fait plaise. Allez, plus grand-chose à péter. Et on va pouvoir rentrer. Ouais, c'est de la bouffe. Oh, ça spawn. Vamos. Oh, il y a un chien. Je me casse. Je me casse. Il y a un clébard. Il a pris la décision de me suivre, ce con. Mon OBS encore. Là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à me gonfler, quoi, en fait. Je crois que... Ouais, je vais essayer de le désinstaller, le réinstaller. J'espère que ça va résoudre le problème parce que là, c'est vraiment très, très lourd, quoi. Alors, normalement, j'étais pas loin de la fin du Wasteland. Ça m'inquiète un peu. Je vois pas le bout, là. Je suis dans une toute petite pointe, en fait. Génial. Et autour, c'est que de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est étrange, hein? Parce que j'ai là en mémoire la carte. Ah, mais c'est que la carte est mal générée. Ah, oh, putain, punaise. Ok, j'ai la carte, l'ancienne carte qui est encore en mémoire, en fait, faut que je l'enlève. Ok. C'est bon à savoir. Super, une wench. En plus de bonne qualité. Oh! C'était quoi ça? Oh non, je suis mort encore. Ça fait déjà 3 morts. C'était quoi ce truc? C'était une mine? Qu'est-ce que vient? Bon, alors ça y est, on réapparaît à mon lit. Ok, très bien. Il est 16h45. Vous savez quoi? Je coupe la caméra, je vais chercher mon sac et on verra après. Ok? Allez, à toutes. Bon,
Alors, il n'y a pas de secret, je suis dans la merde. Il est 21h30, je suis en plein milieu de la pampa. Il pleut, je vois rien à 10 mètres. J'ai perdu mon sac. Donc, c'est la totale. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre un terme à cet épisode ici. Et eh oui, suspense. Et je vais essayer de me démerder pour aller récupérer mes affaires et rentrer au bercail. Et on finira la mission ensemble lors du prochain épisode, tranquillement. Parce que là, on s'est pris vraiment du mauvais pied. Et moi, j'ai mon problème technique à régler avant ça, puisque c'est très handicapant. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce semblant d'épisode, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur 7 Days to Die en Alpha 15. Allez, ciao tout le monde et à bientôt. Bye bye.